Les amis, bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien, parce que moi, chez moi, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, je vous tourne ce petit vlog, ça va être un petit vlog dans ma peau, dans ma journée, parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos face caméra en ce moment, tout simplement parce que j'ai pas le temps et j'ai pas forcément l'envie, pas de prendre du temps, mais de me faire chier à faire tous les éclairages et tout chez moi. Alors que j'ai plein de choses à faire. Donc clairement je préfère m'attarder sur autre chose. Donc je pense que vous le comprendrez. Et puis vous savez très bien que je fais des vidéos quand j'ai envie. Et voilà. Quand je vois comment YouTube devient, franchement ça me démotive encore plus. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien. Le programme de la journée, ça va être d'aller acheter des fleurs, parce que je n'ai toujours pas fait mon balcon. Ça va être d'aller au sport. Il y a ma maman qui vient, on va aller faire des courses. Parce qu'elle en a marre, je fasse des toutes petites courses, donc là on va aller faire des grandes courses. J'ai mon ménage à faire, comme d'habitude, et j'ai plein de paperasse à faire, parce que je suis en retard de plein de choses. Il y a ma graphiste qui est en train de bosser sur mes bougies, donc je suis trop content. Dire, mais il en a jamais fini? Non, parce qu'en fait j'avais un premier graphiste, et ce qu'il m'avait fait, ça ne me convenait absolument pas. Donc voilà, je n'ai pas encore la date fixe pour la sortie de mes bougies. Et hier soir j'ai créé mon site, j'ai créé mon nom de domaine, j'ai créé, il me reste juste mon, je vais ouvrir un autre compte en banque professionnel. Je réfléchis encore à peu près où je vais aller, chez qui je vais aller surtout. Donc j'hésite entre N26 ou l'autre, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc je vais voir ça, enfin bref, de toute façon je vous emmène avec moi dans cette folle journée. Et la semaine prochaine je vais chez Fanny pour finir son appartement. On a une journée de shopping chez Jiffy, Ikea et tout. Et on terminera son appartement, donc de toute façon je pense que la vidéo sera en ligne la semaine prochaine sur ma chaîne pour la déco. Voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. Bon les amis, je rentre de course avec ma mère, je suis essoufflé. On vient de monter ça et j'ai encore tout ça, litière, j'ai acheté je sais pas combien de litres d'eau, de la lessive, des céréales, enfin j'ai vraiment fait un bon plein. Donc voilà, donc là je me dépêche parce qu'il y a Jordan qui arrive. Comme je vous ai dit, il y a Mister Jojo qui va arriver. Donc là on va à Ikea. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de table basse. Je vais acheter ma table basse que je voulais chez Ikea. C'est la blanche classique. Donc de toute façon, je vous emmène avec moi. Je range vite mes courses avant qu'il arrive. Et je vous reprends juste après. Voilà. Bon les gars, bon, bah, ça y est, bon. Il a déjà fini de monter la lampe. J'ai acheté cette lampe à Ikea au prix de 9€ et la nouvelle table basse, pareil, 20€. Il me reste juste la planche d'en dessous à mettre, mais je vais pas la mettre ce soir. Acheter un nouveau tapis et on est bon. Mais clairement, j'aime beaucoup. À dans 6 mois. Mais non. Donc là, on revient du sport et on va aller... Ah, tu l'aurais mise là, toi? Bah, je sais pas, c'est là que tu m'as dit, non? Ouais, ou je voulais la mettre à droite du radiateur, mais je sais pas si ça va pas faire bizarre. Ah. Ouais, pour cacher le... Ah. Ça cache un peu le cadre, hein. Moi, je sais pas. Ça choque? Ouais, moi, je préfère là, mais... Non, mais je vais l'allumer, je vais déjà voir ce que ça donne. Bref, on va chercher les pizzas, je vais sortir Ruby, je vous reprends plus tard. Bon, les amis, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui dimanche et je vais conclure ce vlog aujourd'hui. Donc du coup, jeudi, je suis allé faire quelques petits achats et j'ai été chez Jiffy et j'y suis allé très rapidement parce que c'était la fermeture, donc j'avais pas forcément le temps de mettre 3 plombes dans le magasin et j'ai pris pour ça 2 stores, donc des stores qui font 60 cm de largeur et 1,85 de hauteur. Je vous les montrerai une fois monté. J'ai également pris un fer à repasser, alors ça je l'ai pas acheté chez Jiffy. Je l'ai acheté chez Electro-Dépôt, je crois. Il me fallait un fer à repasser le moins cher possible. Donc je l'ai payé 8€. Donc ça sera largement suffisant parce que je ne repasse jamais. J'ai également pris ça chez Jiffy pour mettre sur ma veste en jean. Je trouvais ça hyper sympa pour cet été. Et vous le collez avec, je crois, un fer à repasser. Donc j'ai acheté ça à Jiffy. Et j'ai également pris le sac à dos à Mister Jojo. Mais bah, il l'a pris, donc j'ai complètement oublié de vous le montrer. J'ai acheté également, enfin, vous allez me dire... la Google Chromecast. Enfin, alors je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à acheter ce truc là avant, mais en fait ça vous permet d'avoir toutes les YouTube, Netflix,
au Deezer, enfin tout ça sur votre télé. Sachant que dans ma chambre, j'ai pas de branchement relié directement à mon antenne, donc je n'ai jamais la télé. À chaque fois, fallait que je mette un câble HDMI, donc c'était un peu relou. Et du coup, je peux regarder mes séries le soir devant le lit. Enfin, les séries me regardent plus que je regarde les séries. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu trois petites choses. J'ai reçu de la marque Jaffy des petites croquettes gourmandises. C'est tout nouveau chez eux. J'essaie de pas trop lui en donner pour qu'il en reste un peu pour la photo Instagram, parce que clairement elle adore ça. Donc c'est des petites croquettes, donc c'est des petites gourmandises volaille fraîcheur et petits pois. Ruby clairement elle en raffole. Le packaging est tout le temps trop cool. Et en fait ce sont des petites gourmandises en forme de cœur. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à Jaffy de m'avoir fait tester cette petite nouveauté de chez eux. Et je voulais vous faire partager également ceci parce que j'ai une abonnée qui s'appelle Amandine. Elle m'a contacté il y a quelques jours pour savoir si je voulais recevoir des cotons réutilisables. Et bien entendu, je lui ai dit que oui parce que je trouvais ça complètement dommage de jeter autant de coton. Et du coup, elle les fait elle-même. Donc, je trouve ça hyper mignon. Donc, par exemple, vous avez ces deux-là en forme de cactus. Donc, bon, vous savez très bien mon amour sur les cactus. Donc, elle m'en a offert deux et elle m'a offert plusieurs gros cotons. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est juste adorable de sa part. Et la qualité est vraiment là. Elle est fait main. Donc, je trouve ça hyper sympa de mettre en avant les petites créatrices de nos jours. Et elle m'a fait un petit mot. Donc, si vous avez envie de voir son compte Instagram, je vous invite à aller voir directement. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos de toute façon. Concernant les prix, c'est 10 euros le lot de 8 cotons réutilisables, 20 euros le lot de 10 feuilles d'essuie-tout. Voilà par exemple. Donc ça, c'est les cotons réutilisables. Et là, on est en mode feuilles d'essuie-tout. Donc je trouve ça hyper pratique. Après, clairement, vous pouvez l'utiliser pour le visage. Hein. C'est hyper doux, donc il n'y a aucun souci. Et alors, pour le coup, comme elle m'a dit, ça va exactement dans mon style d'intérieur. Donc j'ai envie de vous dire, c'est trop top. Donc Amandine, si tu passes par là, je te remercie vraiment pour ce petit cadeau. Pareil, j'ai des hommes qui me demandent à chaque fois comment je fais ma barbe. En fait, j'achète ça directement chez Bleu Libellule. C'est un grossiste en coiffure. Et en fait, je prends ça en teinte châtain. Et ça me permet d'avoir la barbe toujours on fleek, toujours colorée, toujours nickel. Dedans, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Et j'ai également repris une nouvelle carte SD parce que j'en ai marre de jouer avec mes cartes SD. Et surtout de les perdre. Attention les yeux, et voici le colis tant attendu. Alors dès que je dis attention les yeux, il y a Madame Ruby qui arrive. Bien le bonjour. J'ai été contacté par la marque pour recevoir un aspirateur robot. Et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas le tester. Et ils me l'ont envoyé il y a la semaine dernière, je l'ai reçu hier, donc pour vous dire c'est hyper rapide. Ça part directement de chez Amazon, donc c'est très rapide de livraison. Et moi j'avais choisi un autre, mais malheureusement celui-ci était déjà envoyé, donc bon c'est pas grave. J'avais choisi celui qui lave également. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer et je le testerai dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas le testé dans cette vidéo, ça serait pas du tout crédible. J'ai envie de l'essayer au moins sur une semaine, deux semaines, voir si ça fonctionne bien, si ça marche bien. À l'époque j'en avais acheté un, c'était pas top. Mais vu que là j'ai pas trop de tapis, mon appartement est assez linéaire. J'ai pas forcément trop de merde au sol, donc j'ai hâte de l'ouvrir, de tester ça dans la semaine. Et voici la belle bête, et je suis content parce que je pensais le recevoir en noir. Et ils me l'ont envoyé en blanc, je suis trop content. Franchement, il est trop beau, je suis un vrai gosse en fait. J'ai l'impression que c'est Noël tous les jours, on adore. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle m'a dit que je pouvais le connecter via mon téléphone. Je peux le connecter en wifi, le programmer du boulot par exemple. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est juste génial. Il y a le mode d'emploi, mais ça je le lirai sincèrement à tête reposée. Parce que sinon, là c'est pas possible. Je voulais juste vous le montrer rapidement dans ce vlog. Et de toute façon, je vous le remontrerai. En tout cas, si vous avez envie d'aller voir directement sur internet, vous avez juste à marquer la référence du robot et d'aller voir, ils font une vidéo également pour vous montrer un peu tout ce qu'il fait. Donc voilà. Bon les amis, écoutez, moi sur ce je vais vous abandonner maintenant. Je sais que ça n'aura pas été un vlog de ouf, je le sais très bien, mais en ce moment j'ai pas trop de choses à vous montrer parce qu'il y a plein de choses que je fais qui sont de ma vie privée, donc c'est pas évident de tout vous montrer.
Et je vous cache pas que sincèrement j'ai complètement zappé de vous vlogger plein de choses parce que j'y pense pas et que voilà. Donc là je vais m'apprêter à me prendre ma douche, essayer de brancher l'aspirateur, terminer de ranger mon balcon, descendre mes volets que j'allais récupérer dans ma cave et de peut-être, je dis bien peut-être, aller chez Truffaut parce que du coup avec ma mère on n'y a pas été, d'aller chez Truffaut acheter mes fleurs. Et j'ai pas de motivation à faire mon balcon parce que je suis pas chez moi, donc c'est un peu compliqué. Voilà, demain je commence tôt. Après j'ai lundi, j'ai mardi, mercredi, jeudi. Donc du coup je vais pouvoir avoir quasiment presque 3-4 jours où je vais pouvoir me consacrer à mon chez moi. Donc je suis trop content. Et je termine l'appartement de Fanny mardi. On va chez Jiffy, donc je vlog de toute façon ma journée. Et après je reviendrai avec des vidéos face caméra, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais clairement comme je vous ai dit sur Instagram et je le redis encore sur YouTube, je profite de ma vie privée, je profite de la vraie vie et de pas des likes, du nombre de vues, du nombre d'abonnés que je gagne, que je perds et tout ça. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, même des commentaires à la con et tout, je supprime machin. Donc en tout cas, je sais que j'ai un gros retard concernant mes réponses, mais sous les commentaires, donc je m'en excuse hein, sincèrement. J'essaye de vous répondre rapidement dans la semaine et je vais également me faire tatouer, donc il faut que je bosse sur mon tatouage aussi. Et bah pareil, après les bougies ça avance, ça avance, ça avance. Là il me reste juste mon 2-3 trucs à peaufiner. La graphiste est en train de bosser sur les finalisations de mon logo et des étiquettes. Et ensuite bah on lance la production pour la rentrée. Voilà. Donc sur ce moi je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous bisous. Et j'espère que, je pense que vous aurez une vidéo mercredi. Ouais, vous allez avoir une vidéo pardon mercredi à 19h sur ma chaîne. Donc sur ce je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et désolé pour le retard de toutes les vidéos. Voilà, bisous bisous, vous chez vous. Bisous.